Bon. Good. Hello, guys. Hope that you are connected. Speak in the sound connected. Ça fait longtemps, j'étais plus avec vous. On dit les rebelles. Alice. Bah aujourd'hui, on va parler des éléments qui sont en cours au Cameroun aujourd'hui. On vit une situation un peu plus très compliquée, mais bon, c'est rien. C'est maïs. Hello. Pas de coup de fil. Vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous me recevez? Non, est-ce que vous me recevez, s'il vous plaît? Dites-moi un peu si vous me recevez pour que je puisse commencer à discuter. En place. Est-ce que vous m'écoutez? Mais le son est bas. Non, le son n'est pas bas. Ok. Bah, aujourd'hui, je fais ce direct tout simplement parce que, en réalité, j'ai été frappé par une information. C'est-à-dire, depuis 3 semaines, le régime de Biya, la dictature de Biya, parce qu'il faut l'appeler ainsi, c'est une dictature. Je vais revenir pour vous expliquer pourquoi c'est une dictature. Parce que beaucoup de Camerounais ne comprennent pas et j'ai essayé de l'expliquer aujourd'hui, mais on va y revenir. On vu le communiqué de Cameroun Tribune. Où ils disent aux gens, aux leaders de la coalition, de déposer leur candidature à Cameroun Tribune le 20. Le 20, c'est-à-dire dans 4 jours. Qu'est-ce que ça veut dire mathématiquement et politiquement? Qu'est-ce que ça veut dire mathématiquement et politiquement? Ça veut dire que les gens qui sont en train de discuter, par lesquels ils peuvent parvenir à une coalition de l'opposition, et parce que d'après les informations que j'ai, n'ont pas encore réussi à aboutir à une coalition, doivent déposer le vœu à Cameroun Tribune leur candidature. Le problème de Cameroun Tribune ou du gouvernement Biya, c'est quoi actuellement? C'est qu'ils ne savent pas si Maurice Kamto, Hakeremouna, Joshua aussi, Cabral Libi vont s'entendre pour une coalition. Voilà l'enjeu de ce qui est en cours. C'est la raison pour laquelle Cameroun Tribune fait ce communiqué. Parce qu'il y a un silence sur les négociations. Et il faut le dire. Et j'ai mon ami Valsero, il a une idée géniale. C'est-à-dire que Valsero, il a dit il y a quelques jours qu'on a en réalité quelque chose qui est en train de se dérouler dans ce pays à travers cette élection présidentielle. Moi, vous connaissez ma position.
Je vous le dis et je vous le martèle encore. On ne va pas chasser Biya à travers le 7 octobre. Biya va gagner. Et moi, Boris Berthold, je demande à Biya de frauder les élections. Biya doit frauder pour battre Kamto Akere aussi. Il faut le laisser frauder. Il faut qu'il fraude. Nous aurons les preuves de la fraude. Et nous voulons que Biya fraude les élections. Nous savons qu'il va frauder. Nous savons qu'il va couper un tas. Nous savons qu'il va tuer. Nous savons qu'il va entrer dans un processus de mort pour gouverner. Nous le savons. Biya ne peut pas déposer officiellement à 87 ans. 50 ans d'administration centrale, 36 ans de pouvoir, il ne peut pas déposer une candidature pour perdre une élection présidentielle. Il faut être fou pour penser que Biya organise cette élection pour la perdre. Non seulement il faut être fou, mais en réalité, il faut être méchant. Parce que nous qui sommes Camerounais, nous qui nous connons, comme on dit chez nous là, parce que nous, nous avons une manière de parler entre nous. Nous avons une manière de discuter entre nous. Les Camerounais, ils sont particuliers quand vous voyagez dans le monde, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique. Les Camerounais, ils se parlent entre eux et ils se comprennent entre eux. Nous, nous nous connons. Nous savons très bien que Biya est parti pour gagner cette élection. Et il faut qu'on le fasse gagner. L'enjeu des élections, parce que moi je sais, et moi je ne vote pas. Je vous le dis, allez voter. Hein. Moi je n'ai même pas pris le temps. Moi je n'ai pas le temps pour aller perdre mon temps dans une ambassade pour demander à m'inscrire sur une liste électorale quand je sais qu'un dictateur va voler l'élection. Moi, j'ai pas ce temps, j'ai trop de choses à faire. J'ai des conférences, j'ai trop de choses à faire dans ma vie. Il faut que vous alliez voter. Il faut que les électeurs du MRC, du SIF, de Akere Mouna, de Cabral Libi, de Espoir Matomba se mobilisent. Ceux qui ont choisi. Parce que en dépit de ma conviction, je dois respecter votre conviction. En respectant vos convictions, vous et moi, nous pouvons bâtir ensemble une stratégie pour changer ce pays. C'est également ça la démocratie, c'est également ça la liberté, mais c'est également ça l'opposition. Comment on fait, en dépit de nos divergences, en dépit de nos différences dans la construction du chassement, du changement, pour se mettre d'accord sur un processus par lequel nous parvenons à faire partir M. Biya. Et Biya, qui est en Suisse, mais Biya est en Suisse parce qu'il est malade. Biya est allé en Suisse se ressourcer pour quelques jours, pour se faire réalimenter, et il entrait au Cameroun, fait deux ou trois meetings, mais quel est ce pays où on a un président qui n'est jamais allé dans une seule région pendant 5 ans? Il ne connaît pas comment Douala se porte, il ne connaît pas comment Boya se porte, il ne connaît pas comment Berthois se porte, il ne connaît pas comment Foumban se porte, il ne connaît pas comment Marois se porte, il ne connaît rien du pays. Et tous les 7 ans, on réélu un président. Quel est ce pays où on a un président qui ne connaît pas comment les femmes font pour aller au marché pour faire du ménage? Comment les femmes font pour accoucher? Comment les femmes font pour manger? Comment les femmes font pour nourrir leur famille? Quel est ce pays où on a un président qui ne va nulle part? Il ne connaît pas le marché Bokolo, il ne connaît pas le marché Mbopi, il ne connaît rien.
Il est assis quand il est au Cameroun, il est à Yaoundé. Après, il est avocat. Après, on entend qu'il est à Genève. Quand ce n'est pas Genève, on apprend qu'il est dans un hôpital à Paris. Après Paris, il est à Genève. Genève, il est. Quel est ce président que nous on a que nous ne connaissons pas? C'est un fantôme qui nous dirige. Mais vous êtes tombés si bas, nous sommes tombés si bas. Nous, les Camerounais, nous sommes tombés si bas à telle enseigne qu'un fantôme nous dirige. Un fantôme. Vous ne voyez pas votre président? Vous ne savez même pas qu'il existe? Le jour où vous voyez le président, c'est quand on vous dit que la garde présidentielle a barré les routes. Quand vous savez que votre président est à Yaoundé, vous vous rendez compte du niveau d'infantilisation, du niveau de mépris, du niveau d'abrutissement, d'ensauvagement, d'annihilement dans lequel nous sommes. Vous vous rendez compte du mépris que ce monsieur a à notre encontre. Vous imaginez? On ne sait pas qui nous dirige. Qui est président au Cameroun? Si on vous demande dans vos têtes là, qui dirige le Cameroun? Vous diriez que c'est Biya? Un monsieur qui vous signe des décrets à partir de Genève. Tous les jours, vous vous asseyez ici dehors. Vous parlez des affaires de la France, de Belgique, de Macron. Vous parlez des affaires de la Côte d'Ivoire, de Ouattara. Vous parlez des affaires de Kagame. Mais c'est les gens qui sont chez eux. Ils n'ont pas besoin d'aller ailleurs. Kagame, il inaugure même les puits. Allez au Rwanda, regardez le Rwanda. Allez à Abidjan. Abidjan là. Abidjan là. Abidjan dont vous parlez là. Abidjan là. Moi, j'y étais il y a 4 mois. Abidjan n'a rien à voir avec Yaoundé. Rien à voir. C'est le jour et la nuit, quoi. C'est le jour et la nuit. Ne parlez plus des Ivoiriens dans vos vies. Ne parlez pas de la Côte d'Ivoire. Vous ne valez pas la Côte d'Ivoire. Quand on dit aux Camerounais, ils ne comprennent pas. Notre président, il est où? Il est entre Genève, Bomeka et Yaoundé. Il est entre Genève, Bomeka et Yaoundé. Et tous les 7 ans, nous devons réélire un président que nous ne voyons pas. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de politique. Ce n'est pas une question d'être supporter du RDPC, du SDF, du MRC, de l'UDC, des 11 millions ou je n'en sais pas quoi. C'est une question de bon sens. C'est une question d'éthique. Vous ne pouvez pas vous laisser gouverner par ce type de choses, par ce type de personnes. Nous devons aspirer à autre chose. On veut un président qui doit savoir comment sa population vit au quotidien. Tous les problèmes, on a eu les inondations à Douala il y a quelques jours. Le président Biya ne s'est pas rendu. Mais ça, c'est symptomatique de sa gouvernance. Pendant toute la guerre à l'extrême nord, de 2012 à 2018, Biya ne s'est pas rendu à l'extrême nord. Il n'est jamais allé dans un camp de réfugiés où on a près de 100 000 réfugiés dans la lutte contre Boko Haram. Avec tous les milliards qu'on a investis, avec l'effort d'aide, avec la communauté internationale, Biya ne s'y est jamais rendu. Il a passé tout son temps à Genève, en Bomeka. Il jouit de l'argent que nous travaillons. Voilà la crise anglophone. Voilà la crise anglophone. Biya aurait pu se lever et dire, on va à Boya, on va à Bamenda, on va apaiser nos frères anglophones. Biya ne s'est jamais levé. Mais pourquoi Biya ne se lève pas? Mais Biya ne se lève pas parce que Biya ne vous méprise. Biya vous méprise. Mais pour faire d'abord une démarche très simple,
Ceux qui viennent sur mon mur là, parler de moi là, moi je m'en fous de vous. Moi je ne souffre pas. Vos salaires, c'est mon argent de cigarette le mois. Donc quand vous gagnez 200 000, 300 000, écoutez-moi très bien. C'est ce que je consomme pour mes paquets de cigarettes. Donc quand nous nous battons pour vous là, c'est parce que nous avons décidé de sacrifier nos propres vies pour vous. On n'a rien à foutre. Il faudrait d'abord que vous compreniez cela. Vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas accepter de vivre dans un pays où on ne connaît pas qui nous gouverne. Et aujourd'hui, Cameroun Tribune, ça, ils disent aux leaders d'opposition de se conformer aux règles d'une dictature. On ne se conforme pas quand une dictature n'est pas loyale. Il faut apprendre à résister. Qu'est-ce que la résistance? La résistance, c'est la capacité à prendre en charge son destin lorsque l'histoire s'impose. On demande aux candidats qui sont en pleine négociation pour une coalition de déposer leur bulletin. Mais nous disons actuellement que nous, on veut une coalition. Moi, je dis que je veux une coalition. Pas parce qu'il y aura un seul candidat face à Biya. On peut en avoir 5 ou 6. Mais nous avons actuellement 9 candidatures. Mais si on a 4 face à Biya, c'est suffisant. Parce que ce qu'il faut pour chasser Biya dans ce pays, c'est le coefficient d'indocilité. Il faut construire la résistance dans ce pays. Il faudrait que vous appreniez à résister. Il faudrait que vous compreniez que votre devoir, notre devoir, à un moment donné, c'est de dire non à l'oppression. Vous ne pouvez pas internaliser la domination. Je l'ai dit aujourd'hui dans un texte. Le problème du Cameroun, ce n'est pas fondamentalement que les gens sont méchants. Ce n'est pas fondamentalement que les gens soutiennent Biya. C'est que les gens ont internalisé l'oppression du régime Biya. Ils acceptent d'être dominés par Biya. Ils ont cru aujourd'hui que Biya sort du ciel. Ils ont cru aujourd'hui que sans Biya, on ne peut plus avoir de paix. Or, Biya arrivait dans ce pays, le Cameroun était respecté à l'échelle internationale. On avait d'abord quitté Air Afrique pour construire Cameroun Airlines. Aujourd'hui, regardez Camerco. Nous avions les entreprises partout. Nous avions les ambassades partout. Nous étions un pays respecté. Nous étions en paix. Biya a pris ce pays. Biya a pris le Cameroun. Nous étions en paix. Et il faut le dire aux Camerounais. Il faut que ça cesse. Ce mensonge selon lequel Biya est arrivé au Cameroun et nous étions en guerre. Biya, c'est Biya qui nous met dans les problèmes. Et il faut le dire aux gens. Il faut que ça s'arrête. Biya est arrivé, il a pris un pays. Un pays où des gens vivaient bien. Où des gens étaient contents d'être Camerounais. Où des fonctionnaires qui gagnaient 100 000 roulaient en voiture. Où nos parents allaient dans les supermarchés. Où ils payaient les bourses à leurs frères, à leurs fils, à leurs oncles, à leurs tantes. Biya a trouvé le Cameroun en paix. La société, toutes les entreprises fonctionnaient. Toutes les entreprises fonctionnaient quand Biya arrive au pouvoir en 1982. Arrêtez de penser que Biya nous a amené. Biya ne nous a rien amené. Il est venu trouver un pays qui était bien respecté. Le Cameroun était le Cameroun. C'est de là que vient ce nom, mes amis. Ce n'est pas un accident. C'est parce que le Cameroun était le Cameroun. Les étudiants camerounais étaient boursiers. Ils étaient riches. Ils étaient intelligents. Leur pays était prospère. On est respecté partout. Boursiers, riches, intelligents, prospères. Vous imaginez ce que ça fait comme statut? C'est le pays que Biya trouve en 1982. Qu'on ne vous trompe jamais. Qu'on ne vous trompe jamais. Biya n'a rien inventé dans ce pays.
Quand bien est arrivé, on a tout perdu. Toutes les sociétés, toutes les banques, les salaires des fonctionnaires ont été coupés. Tout a été réduit. Avant de continuer, je vais vous dire que depuis que nous travaillons pour son départ. Il y a l'email, le Gmail. Chassement que vous voyez là. Envoyez l'argent. Vous demandez le chassement. Le chassement est en cours. Nous travaillons à neuf pour faire partir Biya. Nous allons y parvenir. Il faut contribuer. Commencez à y contribuer. Envoyez 10 euros, 10 dollars, 16 euros, 5 dollars. Nous demandons uniquement, je demande uniquement à la diaspora. Ceux qui sont au Cameroun, vous payez assez beaucoup la souffrance du régime Biya. Que la diaspora finance. Le Gmail qui est en haut, envoyez l'argent là-bas. C'est là-bas qu'il y aura le chassement. Envoyez-nous l'argent. Nous allons faire partie Biya à partir du 7 octobre. C'est la bataille finale. Pour revenir, vous croyez que Biya a trouvé le pays là en guerre? Mais est-ce que vos parents vous ont dit que ils allaient au travail avec des voitures? Est-ce qu'ils vous ont dit, vos parents, vous qui êtes en Europe là, qui êtes en train de supporter Biya, qui êtes en train de boire du vin parfois à n'importe comment là, est-ce qu'ils vous ont dit que à leur époque, pour manger à la maison à midi, ils avaient du vin rouge? Est-ce qu'ils vous ont dit ça? Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils n'avaient pas de problème pour vous envoyer à l'école, vos parents? Ils ne vous ont jamais dit. Le pays était un pays prospère, un pays riche, plein de sociétés, compagnies aériennes. Le Cameroun était parmi les meilleurs producteurs de cacao, de café, de bananes. Nous étions enviés, nous étions respectés à l'Union africaine. À l'époque, c'était l'organisation de l'unité africaine. Mais parlons de l'unité, l'organisation de l'unité africaine. Biya ne va plus au sommet depuis de nombreuses années. Nous sommes méprisés, n'importe qui nous insulte. Mais vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Le Cameroun est devenu l'ombre de lui-même. Y compris à l'Union africaine. Nous sommes l'ombre de nous-mêmes. Si on ne vous l'a jamais dit, nous ne valons plus rien. Nous ne valons plus rien. Qu'on ne vous manque pas. Qu'on ne vous manque pas. Nous ne valons plus rien dans le monde. En Afrique encore plus. Vous voulez qu'on vous dessine un tableau? Vous vous asseyez à Yaoundé parce que vous mangez les béas haricots, vous pensez que vous vivez, vous ne vivez pas, vous êtes les esclaves de Biya. Vous mangez les béas haricots pendant qu'il va s'asseoir à Genève. Il boit le vin, il boit du champagne, il est dans une suite avec votre argent. Et là, il est là, il est serein. Il demande à l'opposition de déposer. Ne déposez pas aussi, Kamto. Votre devoir, c'est d'écouter le peuple. Et le peuple vous demande de vous organiser, de construire une stratégie, d'élaborer un discours, de voir comment vous allez vous mettre ensemble, de construire une dynamique productive, une dynamique pour vous permettre à ce que Kamto aussi, Cabral, Akeremuna, Matomba, vous produisez des éléments de langage qui puissent nous permettre de dire que Biya va partir. Et Biya va partir. Votre devoir, c'est de résister. Vous êtes dans le jeu institutionnel. Vous êtes dans votre rôle. Vous devez dire à ce peuple que Biya est un bandit. Que Biya doit partir. Et Biya doit partir. Vous devez dire aux Camerounais que vous allez vous organiser.
Vous devez vous organiser. Et vous êtes en train de vous organiser pour faire partir Monsieur Biya. Mais vous devez construire la confiance avec le peuple. Parce que le peuple a besoin de savoir qu'il a des leaders en qui il peut s'identifier. Il a les leaders qui peuvent porter ses espérances, qui peuvent porter ses croyances, qui peuvent porter son discours, qui peuvent porter son amertume. Le peuple, il a besoin de cela. Et pour que le peuple croit en vous, vous devez montrer à ce peuple qui est abruti par 36 ans d'oppression, de dictature, que vous pouvez résister. Et la première étape, c'est de dire à Cameroun Tribune, vous ne déposez rien tant que vous ne finalisez pas la coalition, tant que vous ne finalisez pas les discussions. Qu'il en soit ainsi. On ne chasse pas une dictature si on ne prouve pas qu'on n'a pas la capacité de résister. La résistance est consubstantielle à la libération. Montrez que vous pouvez libérer ce peuple qui est dans l'oppression, ce peuple qui vit en fait la colonisation, qui a besoin de sentir qu'il peut rêver. Il faut recréer ce rêve. Mais les gens ne vont pas croire en vous si vous ne leur montrez pas que vous voulez simplement être président. Être président, c'est rien. Parce que vous ne pouvez pas gagner dans l'état actuel comme ça. Nous allons travailler ensemble pour que vous puissiez autant pour moi prendre le pouvoir dans ce pays. Mais il va falloir que vous affirmiez vos positions idéologiques. Vous ne pouvez pas déposer vos candidatures le 20, comme Cameroun le souhaite. C'est un enjeu capital. C'est un enjeu capital parce qu'à ce moment, on pourra comprendre qui fait quoi et comment. L'un des enjeux de cette élection, ce n'est pas la victoire contre Biya. Parce que nous voulons que Biya gagne. Parce que Biya va gagner. La bataille contre Biya commence le 7 octobre à 18h. C'est là où le chassement de Paul Biya commence. Le 7 octobre à 18h. C'est un chassement qui nous prendra un an, 6 mois, 3 mois, 2 ans, 4 ans. Mais Biya tombera. Biya tombera. On ne renverse pas une dictature en 2 jours. Ça ne se fait nulle part. Et Biya les ressources. Mais on sait que Biya mettra tout en jeu pour rester au pouvoir, y compris tuer. C'est la raison pour laquelle j'en appelle à votre capacité de résistance, à votre capacité d'anticiper sur le comportement de la dictature, à votre capacité de fournir au peuple camerounais de l'espérance. Ce peuple qui a besoin de vous, ce peuple qui a tant besoin de vous, ce peuple qui croit en vous, c'est de cela qu'il s'agit. Il est question aujourd'hui de construire une dynamique qui peut permettre au Cameroun, au-delà de l'élection présidentielle, de tourner la page. Ils veulent organiser la CAN. Et là, je m'adresse à Ahmed Amad, à la CAF. C'est votre problème. Amenez tout ce que vous voulez au Cameroun. Mais c'est la CAF qui sera responsable de tout ce qui se passera au Cameroun. Et il faut que ce soit clair. Vous ne connaissez pas le Cameroun. Et je m'adresse à la CAF. Vous ne connaissez pas les Camerounais. Nous ne pouvons pas, on ne peut pas avoir nos frères anglophones qui sont en train de mourir, qui sont en train de se tuer en zone anglophone. Vous allez faire votre fête à Yaoundé. Vous mentez. Vous mentez. Je vous dis, vous mentez. Et c'est la CAF qui sera responsable de cela. Même pas le régime Yaoundé. Hein.
à ce moment-là, ils pourront rester tranquilles. Yaoundé ne sera pas responsable. Que les choses soient claires. Biya est en train d'utiliser les moyens qu'il a pour faire du Cameroun un pays de réjouissance. Pendant que les Camerounais en ont marre de près de 40 ans de dictature, près de 40 ans de souffrance, 40 ans d'oppression, nous sommes en guerre civile et nous avons dit non, nous ne voulons plus. Ça doit cesser. Et parce que ça doit cesser, il faudrait qu'à la fois les leaders de l'opposition, et quand je le dis, que ce que je cite là, c'est-à-dire quand Joshua, Akere, Cabral, Matoma, ne pense pas, je connais chacun d'eux. Je dis bien, je connais qui est qui dans cette affaire. Et je sais en fait qui va faire quoi. Je sais qui va faire quoi dans cette affaire. Je sais qui va faire quoi dans cette affaire. Mais j'appelle à leur sens de l'humanité. J'appelle à leur sens de la République. Pour qu'ils comprennent qu'à un moment, ils doivent taire leurs égoïsmes. Ils doivent taire leurs ambitions. Ils doivent taire leurs projets pour faire place au devenir de ce peuple. Nous avons besoin du changement. Nous voulons croire que nous, les Camerounais, nous ne pouvons pas être les derniers de l'Afrique. Nous, les Camerounais, nous valons mieux que ce que nous sommes. Nous voulons rêver. Nous devons reconstruire la République. Nous devons recréer le rêve. Nous devons redynamiser ces êtres compétents, prolifiques, cette énergie qui faisait de nous un pays prospère et que M. Biya a tué. Mais pour cela, il faut le faire partir. C'est un enjeu de survie. Si nous maintenons Biya au pouvoir, ce n'est pas seulement un enjeu politique, mais c'est un enjeu substantiel. Il s'agit de nos vies qui sont en jeu. Plus vous maintenez Biya au pouvoir, moins vous allez envoyer vos enfants à l'école, moins vous aurez d'argent pour nourrir vos femmes, moins vous aurez d'argent pour aller en vacances, moins vous aurez d'argent pour construire vos avenirs. Vos vies sont perdues. Il est question de reconstruire une nouvelle société. Et pour cela, on a besoin des leaders qui peuvent construire le rêve. Merci. C'était juste le message que j'avais à passer ce soir.